se retrouve aujourd'hui pour une journée vlog à Disneyland Paris. Alors, je suis Disney Bundé en belle. N'hésitez pas à me faire un coucou si vous voyez sur le parc. Partagez ma journée. Appétit les amis, aujourd'hui on mange au Hakuna Matata. Je teste le Pineapple Whip pour vous. Ce sont les nouvelles glaces inspirées des Dole Whip dans les autres parcs. Une glace à la vanille avec en dessous du jus d'ananas. Alors je goûte en live pour vous, je m'excuse par avance, j'ai fait des grimaces. Et bah franchement c'est pas mal du tout. Ça m'a coûté 4,99€ mais je trouve que ça vaut quand même le coup. C'était très bon. On a fait la maison hantée ce matin, il y avait pas mal de monde, mais les cast members ont joué le jeu donc c'était plutôt cool. Là on se rend à Discoveryland. Je vous emmène avec moi, j'espère que ça vous plaira. On va essayer le Pixar et Disney Shore Festival. Voilà! Il est tellement beau notre château. J'ai voulu aller à Buzz mais il y avait un peu trop de monde, du coup on a pris un fast pass pour 14h15 à 14h45 et en attendant on va tester le Pixar Short and... Non j'arrive pas à dire. Disney et Pixar Short Film Festival qui est à Discoveryland. Donc voilà, je fais la projection et en sortant je vous donne mon avis. Faites big déception, l'attraction est en panne pour le moment. Donc on va essayer de revenir, du coup on va peut-être faire Small World. Voilà voilà. World after all. Avec ma voix de casserole. On n'aura pas eu ce World World, mais on aura eu le spectacle. Voilà, maigre compensation. Mais pourquoi monsieur tu t'assois là? J'ai été à Buzz l'éclair, j'ai fait un score un peu de choix. Bref, donc du coup là on retourne au Pixar and Short Festival en croisant les doigts pour ne pas se faire refouler une seconde fois. Au programme du jour, Get a Horse, For the Birds et La Luna. Est-ce que je suis pas trop canon sérieux? Donne mon avis. Alors, j'ai trouvé les trois courts-métrages géniaux et pour le coup j'ai encore plus aimé redécouvrir ces films. J'avais déjà vu l'attraction à Epcot mais là du coup je l'ai redécouverte et surtout j'ai beaucoup aimé les messages de La Luna. Jusque là j'avais jamais fait gaffe. J'ai trouvé qu'il y avait quand même plus d'effets sur le tout premier, Get a Horse il me semble. J'ai trouvé qu'il y avait plus d'effets spéciaux et en plus je suis contente parce que j'ai trouvé Oswald, ce que je n'avais pas vu jusqu'à présent. Mais c'est quand même un très joli moment, donc si jamais vous êtes sur cette partie-là du parc, n'hésitez pas à y faire un tour, franchement ça vaut le coup. Surtout que normalement l'attraction devrait durer jusqu'à septembre à Disneyland Paris, mais personnellement je suis persuadée que l'attraction sera reconduite, parce que je vois pas trop ce qu'ils vont mettre d'autre dans la zone. Voilà. C'est reparti pour It's a Small World, mais cette fois-ci, ça fonctionne. It's a Small World After All, elle était entièrement en français, du coup je vais pouvoir apprendre les paroles par cœur, je suis contente. Et là du coup on se dirige vers Cazay. Voilà, petit délire de ma copine, mais bon on la suit quand même hein.
salon. Bon, et bien il y a 35 minutes d'attente, donc on va faire demi-tour de Cazet. On va oublier ce délire, voilà. Allez, c'est reparti. Donc, après avoir vu 35 minutes d'attente chez Cazet et avoir décidé de ne pas faire l'attraction, nous allons faire les boutiques. Voilà, nous sommes faibles. Regardez-moi toutes ces peluches. Ma copine m'a révélé que Abby Queen, on pouvait la voir au-dessus de l'attraction Blanche-Neige. Du coup, j'attends pour vous montrer son visage. Est-ce que vous la voyez? Elle est juste là. Bon, je suis pas sûre qu'on voit grand-chose, mais bon, j'essaie quand même. C'est Noël. La boutique de Noël. Oui, bon, je sais qu'on est au mois de juillet, mais... je ne peux pas résister. On arrive au Walt Disney Studio, notre dernier parc de la journée. Alors il y a énormément de monde à Cinémagique. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, si vous savez s'il s'est passé quelque chose de particulier le lundi 4 juillet, n'hésitez pas à me dire parce que je comprends pas pourquoi il y a autant de monde. Voilà, voilà, nous on vient de se faire refouler à Stitch. À une minute près, on est ravis. Bon, on va quand même attendre le show Mickey le magicien à 18h et je vous dirai ce que j'en pense. Bah, il est 17h30, le spectacle est à 18h, mais en ayant vu la queue, et bah, on s'est dit qu'on allait faire Mickey le magicien tout de suite. Hein. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais il y a un monstrueux à une demi-heure d'avance. Donc, nous voici pour Mickey le magicien en espérant avoir une bonne place malgré tout. Mickey le magicien qui est officiellement blindé de monde avec 25 minutes d'avance. Bon, bah tant pis, je fais avec. Hein. Mesdames et messieurs, voici le plus grand magicien du monde. A été une attraction un petit peu mouvementée. Je trouve que ça accélère en fait, ça va beaucoup plus vite qu'avant. Du coup, bon, il y a des moments où j'ai un peu peur. Mais bon, j'assume, hein, et puis ça m'amuse quand même. Alors là, je passe une partie de ma soirée avec Mr. Spoo de la chaîne Toon Studio Prod. Je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que c'est une chaîne que franchement j'adore. Toon Studio Prod, si vous passez par ici, les gars, je vous kiffe. Alors les amis, voilà pour aujourd'hui, je vous ai montré ma journée, je vous ai emmené avec moi jusqu'au bout. J'espère que ma petite aventure à Disneyland, pleine de galères, mais quand même avec beaucoup de fun, vous aura plu. Prenez soin de vous. Gros bisous ma Disney Army. Bye. Elle est confiance. Abonne-toi.